Bienvenue dans un autre accès MRC. Je m'appelle Vanessa Girard et aujourd'hui, on va parler forêt. Je vais avoir avec moi deux personnes qu'on va recevoir une à la suite de l'autre de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout d'abord, on reçoit la directrice, Mme Diane Bouchard. Bonjour. Bonjour Vanessa. Vous allez bien? Oui, oui. Ça va bien. Le mois de janvier achève. Oui. C'est plaisant. Les gros froids vont partir, février arrive. Ça va très bien. Oui, des bons records de température. Peut-être moins d'adon pour aller se promener en forêt. Mais c'est toujours, regardez, quand il fait moins 30 avec des vents et qu'il vous disait moins 40, si vous allez en forêt, là, oui, puis que vous marchez, vous n'avez plus les vents, vous avez l'effet coup de vent des arbres, puis en faisant de l'exercice, ça, puis vous avez de l'air pur. Là. Même à moins 30 en forêt, c'est merveilleux, puis vous voyez des choses, là, vous entendez le craquement des arbres, vous avez plein de sons. Ça fait que ça vaut la peine, même à moins 30, d'aller découvrir le milieu forestier. Bien, on voit ici une vraie passionnée de la forêt. Donc, on va en profiter pour en parler avec vous puis présenter un peu qu'est-ce que c'est que l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi peut-être démystifier tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est là en général? L'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un OBNL, un organisme sans but lucratif, qui a été fondée en 1942, okay, et qui a comme mission, sa mission, c'est rendre fiers les gens de la région de la forêt et du bois. OK. OK, c'est comme toi, moi, te rendre fiers de la forêt et du bois, comme tous les gens du territoire, c'est de comprendre. Puis pour ça, on veut que ces gens-là comprennent ce qui se passe avec le milieu forestier. C'est quoi, là? C'est quoi les enjeux du milieu forestier? On parle, bon, des emplois, des usines, de la biodiversité. C'est quoi tout ça? Puis comment on gère cette forêt-là? Comment aller gérer cette forêt-là? OK? Comment ça se décide de couper des... Comment on décide de couper tel massif? C'est vraiment complexe, la forêt, parce que c'est un élément vivant. Oui. Puis c'est un élément aussi... Il y a des chercheurs là-dessus. Puis à chaque année, on découvre des nouvelles choses. Fait que la foresterie, elle évolue. Puis c'est tout montrer ça aux jeunes puis aux gens de la région pour qu'ils soient curieux puis qu'ils soient fiers de la façon dont on cultive la forêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je comprends, dans le fond, vous êtes un peu là pour vulgariser l'information, la transmettre puis qu'on connaisse notre milieu forestier, finalement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Comme on est la plus grande région forestière du Québec, c'est important que les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, puis même les Inuits du Lac-Saint-Jean, comprennent c'est quoi cette forêt-là. Qu'on entend parler, bon, ça fait boum dans les journaux, plein de choses, on en parle tout le temps, parce que c'est notre principal moteur économique. Ouais. Puis c'est important qu'on sache c'est quoi, puis que quand il arrive des opinions, des réactions, qu'on soit capable, nous, en tant que citoyens, de se faire une idée, parce qu'on comprend ce que c'est. Mm-hmm. Donc, votre niveau d'action, en fait, c'est vraiment dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans toute la région? C'est dans toute la région. Notre territoire, il part de Petit-Saguenay. OK. On s'en va dans le sud-sud-sud du Saguenay. Mm-hmm. Et on fait tout le tour du Lac-Saint-Jean, puis on monte même jusqu'à Chibougamau-Chapin. OK. On est un peu dans la région nord du Québec, là, mais on a le territoire de Chibougamau-Chapin. Ça représente pas mal de forêts, ça? pas mal de forêts, pas mal d'arbres. Ça représente un immense territoire qui est surtout, quand on est plus au pourtour du lac Saint-Jean, là, puis au pourtour du Saguenay, ce qu'on va voir, c'est de la forêt mixte. Okay. OK. On va avoir, ah ben j'ai du tremble, j'ai du bouleau, j'ai quelques érables, j'ai même des endroits du frêne à mélanger avec du sapin, avec de l'épinette blanche. Ça, c'est des forêts, ce qu'on appelle les forêts mixtes. Mais aussitôt qu'on monte, on arrive ici à Dolbeau, là, bon, ouais. on est en plein, on arrive dans la forêt boréale. Mm-hmm. La forêt boréale, c'est la plus grande forêt qu'on a au Canada. OK? Puis c'est là aussi le royaume de l'arbre emblème de la forêt boréale, qui est l'épinette noire. On a le pin gris, okay, on voit beaucoup, mais l'épinette noire, c'est vraiment de la forêt boréale québécoise. Parce que cet arbre-là, je ne sais pas si tu le sais, là, mais il n'existe pas ailleurs au monde qu'au Canada. Ah, non, je ne savais pas ça. OK. On est les gardiens de l'épinette noire. Ah. Elle existe au Canada, puis son principal territoire, c'est le Québec. Puis il y a une petite partie en Ontario, là, mais son principale zone, là, c'est le Québec. Ah. Fait que l'épinette noire, quand la prochaine fois que tu en rencontres une, là, tu diras, hey, je suis ta gardienne. Oui, c'est ça, genre, tu vas faire attention à toi. Fait que, ouais, j'imagine que c'est ça aussi, c'est de défendre, protéger la forêt pour qu'elle soit quand même exploitée de manière responsable. Parce qu'il faut dire que l'exploitation forestière, ça fait partie de notre économie, là, oui, à un grand niveau, là, ici. Là, oui, c'est des emplois, puis on sait encore plus dans le secteur de Dolbeau-Mistassini. Ouais. Hein, on demande aux gens par ici, comment vous connaissez de gens qui travaillent au niveau de la forêt ou de la transformation des produits de la forêt ou en soutien
On répare des camions, on fait ci, on fait ça. Pour qui l'industrie forestière est importante, là, c'était étonnant. Là. Je sais qu'on était à Gérardville pour demander aux jeunes, c'était 90% de la classe là, qui... Que leur famille était dans le domaine. Était dans le domaine forestier. Ça fait que c'est un milieu important. Tellement c'est important que pour la région, là, on peut dire que c'est 16 000 emplois directs, indirects et induits. Ça veut dire que c'est le plus grand employeur de la région, la forêt. Incroyable. C'est de multiples petits employeurs. Mm-hmm. Parce qu'on parle, bon, OK, il y a les travaux sylvicoles, tous les côtés mm-hmm. du débroussaillage et tout ça. Il y a aussi les reboiseurs. Il y a tous les scarificateurs. Il y a des gens aussi qui vont aller faire toute la coupe pour la récolte comme telle. Mm-hmm. Il y a toute la transformation du bois. Puis il y a tous ceux qui s'adhèrent, ceux-là qui vont réparer les usines, ceux-là qui vont réparer les camions, les camionneurs. Tous ces gens-là, là, c'est des gens qui vivent la forêt. Si on enlève le milieu forestier comme industrie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, bien, notre région va avoir beaucoup de difficultés présentement ouais. à survivre. Puis il faut se rappeler, moi je me rappelle, puis on le dit souvent aux jeunes, se rappeler que si notre région a été découverte, bien, a été habitée, oui. c'est grâce à la forêt. A été développée, en fait, en oui, fonction de ça. Oui, parce que les premiers qui sont arrivés dans la région, c'est, à part il y avait les nations autochtones qui étaient là, il faut oui. être en respect avec eux, mais pour nous, les non-autochtones, c'est l'arrivée de la Société des 21 qui sont venus oui. ici pour couper les pins, les immenses pins là, qu'il y avait sur le bord du Saguenay. OK? Ça, je pourrais te contrer quelque chose, pourquoi ils sont venus là. Est-ce que tu sais pourquoi ils sont venus là? Ben couper non. Couper ces pins-là? Non. OK, c'est la faute à Napoléon. Hein? Pourquoi? Je vais te faire rire. C'est la faute à Napoléon, c'est parce qu'à cette époque-là, c'était une guerre. Il y a toujours des guerres entre la France puis l'Angleterre. Oui. On était sous colonie anglaise. Hein, les Français étaient partis, nous avaient abandonnés, on était sous colonie anglaise. Ouais. Puis là, il y avait une guerre entre la France et l'Angleterre. Puis la France, pour faire que les Anglais soient moins forts, ils ont fait un blocus. On appelle ça le blocus napoléonien. Ils ont pris dans la mer, au nord du territoire de la France, entre la France et l'Angleterre, tous les pays scandinaves. Okay. OK. Il y avait un blocus maritime. Fait que là, normalement, les Anglais, ils prenaient du bois Scandinavie. Mm-hmm. Fait que là, il manquait de bois pour leur navire. Fait que là, on dit, on va aller dans les colonies. Fait que c'est là que ça a commencé, là, que les régions du Québec ont commencé à être colonisées pour le bois. Puis donc, bon là, ça fait évidemment longtemps, mais ça fait quand même longtemps aussi que l'association forestière existe. Là, tantôt, vous m'avez dit 1942, oui. donc on parle de 80 ans d'existence. Oui, c'est 80 ans cette année et on en est fiers. Parce que des OBNL qui perdurent dans le temps comme ça, là, c'est plaisant. Puis si on est là, c'est grâce au soutien du milieu régional. Mm-hmm. Parce qu'une association, un organisme régional comme ça, ça ne peut pas survivre sans le soutien. C'est le soutien de notre conseil d'administration. Par exemple, oui. sur notre conseil d'administration, on est un organisme d'éducation, on ne donne pas des opinions, on mm-hmm. donne de l'information. Sur notre conseil d'administration aussi, s'il y a des gens qui, des fois, à la même table, quand ils vont se parler de forêt, ils vont se chicaner sur certains aspects. Mais au niveau de l'association, pour la mission de rendre les gens fiers puis de donner de l'information au niveau de la forêt, ils sont tous d'accord. On a des gens de la grande industrie. PFR, Rémabec. On a des gens des petites scieries indépendantes, comme Scierie Lac-Saint-Jean. On a des gens des syndicats des producteurs de bois. On a le Conseil des montagnards du Lac-Saint-Jean. On a le Cégep de Saint-Félicien, le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. On a l'UCAC. Ensuite, j'en oublie, sur Société sylvicole. On a plein de gens différents qui... ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont, eux autres sont fiers de la forêt mm-hmm. puis du bois. Puis ils sont fiers de cette ressource-là. Puis ils veulent que la population soit intéressée, puis même que les jeunes soient intéressés à y faire carrière. C'est comme dans tous les domaines. Oui. Là, présentement, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Ça fait que le milieu forestier, c'est un domaine accueillant où est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois intéressants. Dépendant, là, autant en forêt qu'en usine, là, on va trouver de multiples emplois. Oui, puis en intéressant les jeunes à la forêt, c'est ça, ça va les encourager. Quand on connaît quelque chose de plus en plus jeune en plus, tu sais, ils vont peut-être plus être intéressés à aller pratiquer ce métier-là. Parce qu'il faut dire aussi que des fois, ça peut avoir une mauvaise presse un peu de « Ah, on coupe le bois », tu sais, mais on le fait tellement de manière responsable, de plus en plus, en ayant à cœur notre forêt, justement. Donc, en connaissant mieux, on connaît mieux cet aspect-là. Ce qu'on essaie d'expliquer aux jeunes puis à la population, que couper un arbre, c'est pas criminel. C'est ça. C'est pas un crime, OK? C'est...
même cette ressource-là, c'est, si on regarde un arbre, tout le temps qu'il pousse, il va le capter du carbone. Mm-hmm. OK, CO2, qu'on dit, bon, OK, c'est le polluant atmosphérique. C'est pas un polluant, le CO2, c'est en grosse quantité qui devient dangereux, oui. Mais c'est pas un polluant comme tel parce qu'on en a besoin. Le carbone, c'est une source de vie aussi. Mm-hmm. OK, l'arbre, ce qu'il va faire durant toute sa vie, je vais te ramener au primaire, là. Okay, oui, il va mon capter, cours de science. Oui, dans le cours de science, il y a une feuille, là. Puis sa feuille, là, elle fabrique la nourriture. Puis pour fabriquer sa nourriture, elle a besoin d'eau qu'elle va chercher dans le sol, qu'elle amène jusqu'à la feuille. Elle a besoin aussi de carbone. Le carbone, elle va le chercher dans l'atmosphère. Oui. OK? Puis avec ça, elle va fabriquer, elle va faire une recette, elle va fabriquer sa nourriture, qui est un glucose, un sucre, qu'on appelle la sève. Oui. Puis après ça, il va envoyer la sève, et la sève va nourrir. C'est comme nous autres quand on se nourrit. Mm-hmm. Quand on se nourrit, ça sert à soit à réparer nos cellules, à grandir pour les plus jeunes. Puis c'est exactement ça pour l'arbre. La sève, sa nourriture va l'aider à grandir. Ça fait que ce carbone-là qu'il a pris dans l'atmosphère, bien, il va l'avoir mis dans l'arbre. Ça fait que toi, quand tu vas prendre, tu vas couper un arbre, tu vas prendre le carbone, puis tu vas le mettre sur ta table, dans ta maison en 2x4 et tout ça. Ça fait que tu vas le réemprisonner, puis tu vas permettre à une jeune forêt. Il faut s'assurer que la forêt se régénère. C'est ça. Mais ça, c'est dans la loi sur les forêts au Québec. Là. Oui. C'est que là, ta forêt va se régénérer. Puis pendant qu'elle se régénère, je ne sais pas ceux qui ont des adolescents, là, quand tu es jeune, ils mangent moins. Mais quand ils sont rendus adolescents, là, ça ouvre la porte du réfrigérateur. Là, c'est la même chose. Hein. Un arbre adolescent, ça prend beaucoup de carbone. Ça fait que là, ça devient des capteurs de carbone. Mm-hmm. Fait que on dit, puis aussi le fait de ne pas prendre une autre matière comme le plastique. Oui. Okay. Le plastique, pour le transformer, ça prend beaucoup d'énergie fossile. Pour faire du bois, ben, ça ne prend pas d'énergie, parce que c'est l'arbre qui le fait. Oui. Okay. Tout ce qu'il faut, ça va être l'énergie pour le transformer en 2x4 ou en d'autres choses. Fait que c'est beaucoup moins coûteux. Ça fait que remplacer ce qu'on fait dans d'autres matériaux par du bois, là, c'est beaucoup plus profitable au niveau des changements climatiques. Puis... C'est ce qu'on explique aux jeunes. Oui. Il ne faut pas que ce soit un crime. Là. Mm-hmm. Ça fait partie de notre fierté aussi, entre autres, dans la construction. On le voit de plus en plus. Je pense, entre autres, ici, à Dolbeau-Mistassini, avec notre complexe sportif dans lequel le bois a quand même été intégré là, de belle manière. Puis c'est une conscience qu'on a aussi de plus en plus, je pense. Oui, puis il y a la caserne des pompiers aussi à Dolbeau qui a été... quand on voit que... Puis on a plein de choses au niveau de ma génération, là... Avant, ma génération, on a enlevé les bois de bois des maisons, puis tout ça. Puis de plus en plus, on voit que les gens reprennent le bois. Oui. Parce que le bois, il y a aussi un effet sur ta santé. Il y a un effet aussi, puis on avait peur, aussi, les gens qui ont peur que ça brûle plus du bois, là, aller voir ces pompiers qui mettent du bois dans leur caserne, là, ça veut dire qu'il y a un... ça veut dire que c'est pas si dangereux que ça. C'est ça. Ça fait qu'il y a plein de choses, de mythes, puis de choses qu'on veut enlever au niveau du bois, tu sais, comme couper un arbre, c'est criminel, c'est pas vrai. Puis quand on coupe un arbre, on coupe pas les poumons de la terre, c'est pas vrai. Ça fait qu'il faut tout démystifier, tout ça. Puis ce qu'on veut, c'est réhabiliter aussi. En même temps, quand tu t'enlèves ça chez le jeune, ces peurs-là, ces appréhensions-là, bien, ça le met plus confortable dans son milieu. Mm-hmm. Il rentre, on dit aux jeunes, t'es pas un extraterrestre en haut, là, puis qui regarde la planète, là. T'es sur la planète, t'es dans ta forêt, puis tu peux l'utiliser, mais tout en t'assurant qu'elle sera régénère. Dans le respect, oui. Dans le respect des écosystèmes. Parce que, tu sais, quand on pense des fois à des grandes coupes à blanc, tu sais, c'est pas nécessairement ici que... Tu sais, il y a la forêt amazonienne qui me vient en tête, on a entendu parler de ça, là, depuis qu'on est tout petit, tu sais, qu'il y a peut-être... une exploitation moins responsable qui se fait, mais il faut vraiment faire la distinction comme quoi, ici, justement, on est tellement fiers de notre forêt qu'on veut qu'elle se régénère, on veut la protéger puis qu'elle soit exploitée, oui, mais de manière responsable. Oui, puis c'est comme ça dans la loi, on s'assure que la forêt se régénère. Puis des fois, on voit des coupes, c'est sûr, moi, je suis biologiste de formation, puis la première fois que j'ai vu des coupes forestières, là, j'étais là, ah! Puis quand je l'ai vu, je les ai revus avec des chercheurs de l'UQAC ou des ingénieurs forestiers, puis qu'on allait après une coupe, puis que je les voyais se pencher, là, puis dire, ah, il y a un petit arbre qui repousse. Mais je dis, ah oui. Eh oui, elle est là, la forêt. Tu sais, il faut pas, c'est comme notre jardin à l'automne, là, quand on a tout enlevé, on trouve ça moins beau, là. Mais on attend le printemps, là, puis là, à un moment donné, ça repousse, puis c'est plaisant. La forêt est comme ça. Puis c'est une petite, ce qu'on va regarder, c'est une petite quantité des forêts qu'on prend chaque année. Ça a l'air énorme parce qu'on a un énorme territoire, mais c'est juste un petit. On va chercher. Il y a un forestier en chef au Québec, là, puis il fait des gros calculs mathématiques. Celui-là qui aime les calculs, là, vous pourriez aller travailler avec le forestier en chef. Il fait des gros calculs sur comment pousse notre forêt à chaque année. Puis là, il est capable de calculer là,
OK, elle a poussé de ça, mais vous n'avez pas besoin. Il faut pas. Elle a poussé de tant de mètres cubes. Mettons qu'elle a coupé, poussé de 20 mètres cubes, mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Là. Mm-hmm. Vous n'avez pas le droit d'aller chercher plus que 20 mètres cubes de bois. Puis, c'est ça. Pour s'assurer que quand tu vas être grand-maman, tes petits-enfants vont avoir autant de bois que nous présentement. C'est bien dit. Et là, le temps file, on va céder la place à votre collègue, oui. Stéphanie Pelchet, qui va nous parler, en fait, des activités que vous faites pour, justement, propager la fierté, sensibiliser les gens à ce que vous faites. Donc, je vous remercie, Mme Bouchard, et merci de nous partager votre passion de la forêt. C'est moi qui te remercie. La série documentaire « Les artisans de la terre » présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du lac Saint-Jean dans la MRC de Maria Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. Cet été, la Télédio du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et, en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Nouvelles eaux du lac. Alors, on va maintenant s'entretenir avec Stéphanie Pelchat. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Donc, toi, tu es responsable des communications et agent de développement pour l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tu vas pouvoir nous détailler un peu, en complément de ta collègue Diane, les activités que vous faites concrètement là, pour réaliser votre mission. Oui, c'est ça. Puis, tout d'abord, je vais commencer avec les programmes éducatifs qu'on offre dans les écoles de la région. On parle des programmes éducatifs au primaire, on va aussi au secondaire, on va au niveau collégial et universitaire. Également. Okay. Puis au primaire, ce qu'on offre, c'est des ateliers de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. Mm-hmm. Au secondaire, on fait tous les niveaux également. Puis au collégial, on y va à la demande selon les programmes là, reliés à la forêt et le bois dans la région. Mm-hmm. Puis à l'université, une fois par année, on va rencontrer les éco-conseillers là, qui font leur formation là, à ce niveau-là. Et ça, vous faites ça dans toute la région? Oui, dans c'est ça. Dans toutes les écoles? Les offres de services sont envoyées au centre de services, puis les enseignants appellent pour prendre leur réservation, puis accueille les naturalistes dans les classes pour qu'ils reçoivent les ateliers. Puis je donne un petit exemple comme ça. En maternelle, là, ils peuvent faire l'activité, ça s'appelle avec les cinq sens. Okay. Ils peuvent découvrir la forêt, par exemple, en goûtant à du beurre d'érable, puis en écoutant de la musique pour voir là, qu'est-ce qui se fait dans la forêt. Fait que les jeunes, c'est vraiment le fun. J'ai déjà participé à un atelier, puis c'est vraiment le fun de les voir, puis de les voir émerveillés là, pour découvrir la forêt. C'est ça, toujours dans le but de découvrir et d'être fier de la forêt du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, exact. Et puis, donc, vous travaillez beaucoup avec la clientèle scolaire, là, de ce que je comprends, de tous les niveaux. Puis, quel autre genre d'activité là, vous faites? Là? Bien, on parle aussi, on fait le congrès annuel à chaque année. Là, c'est sûr qu'avec la pandémie, on a dû se renouveler. On a fait d'autres choses, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais le congrès annuel, c'est vraiment un lieu où est-ce qu'on fait, c'est une journée, ça dure une journée. Il y a des conférences de chercheurs ou de personnel, des experts qui vont parler de
de la foresterie, de la forêt et du bois. Puis c'est vraiment pour aller faire réfléchir les gens, qu'est-ce qu'on peut faire, puis faire évoluer là, le milieu. Puis c'est un événement de réseautage également. Les gens sont contents de se rencontrer une fois par année pour parler puis se rencontrer. On a un salon forestier également, ça s'appelle le salon forêt et bois. On a des exposants, puis les gens peuvent les visiter puis aller voir qu'est-ce qu'ils font là, dans leur organisation, leur entreprise. Dans le fond, c'est des entreprises qui travaillent en forêt? Oui, bien, ça peut être différentes entreprises, organisations là, qui parlent de qu'est-ce qu'ils font, les services qu'ils offrent ou les autres. Ah, bien, c'est cool, c'est très intéressant. Mais là, c'est ça, j'imagine qu'avec la pandémie, bon, ça se fait autrement? Oui, bien, c'est ça, les Sommeurs des forêts, on a créé ça. Ce sont des émissions de télévision. Okay. On a eu une série 1 avec 3 émissions de 28 minutes et une série 2 qu'on vient de compléter. Mm-hmm. C'est vraiment, ça s'appelle Sommeurs de valeurs, de connaissances et de passion. On va rencontrer des gens là, qui nous parlent avec leur cœur, finalement, mm-hmm. avec qu'est-ce qu'ils font, soit leur métier. On a parlé du cycle de la forêt, par exemple, on est allé parler avec des experts qui nous ont parlé du processus de la graine jusqu'au plan forestier. Fait que, tu sais, c'était vraiment intéressant de voir puis de rencontrer ces gens-là qui nous parlent avec leur cœur. Il y a aussi autre chose dont peut-être on a plus l'habitude d'entendre parler, là, je pense au mois spécial là, que vous avez dans l'année. Oui, c'est le mois de l'arbre et des forêts. Ça se passe au mois de mai, mm-hmm. au printemps. Puis l'association forestière le coordonne, puis on distribue des plans dans la région avec l'aide des organismes, des écoles. Et puis, par exemple, il y a environ 30 000 plans qui sont distribués. Mm-hmm. Puis on fait au moins là, 80 activités là, au cours du mois de mai. Puis l'association forestière avec les naturalistes vont dans les écoles pour donner une conférence qui s'appelle « Comment planter un arbre ». Okay. Donc ça, c'est fort intéressant aussi. Puis on a un cahier d'activité, un cahier spécial mm-hmm. en collaboration avec Trium Média qu'on fait à chaque année aussi, avec une municipalité hôtesse qui va écrire des articles à l'intérieur de ce cahier-là pour promouvoir encore une fois la forêt et le bois. Qui va être distribué aussi dans toute la région, j'imagine? Oui, c'est ça. À 106 000 exemplaires environ, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chibougamau-Chapais également. Donc, une belle source d'information. Puis moi, je me rappelle au primaire d'avoir reçu un petit arbre puis d'être bien fière de le mettre dans le cours. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui nous marque l'imaginaire. Oui, c'est un geste significatif pour les jeunes de planter ça avec leur famille puis les suivre là, tout au long de leur jeunesse, finalement. Puis même quand ils sont plus vieux, ils peuvent le voir grandir. Bien oui, tout à fait. Puis il y a d'autres activités aussi que vous faites, là, toujours avec la promotion de la forêt. Oui, il y a Viens vivre la forêt qui se passe à l'automne. Cette année, ce sera le 6 octobre mm-hmm. au centre de le CFP du Pays des Bleuets. Ils ont une forêt-école dans la Friche. Oui. Et puis, les élèves du secondaire sont invités à aller faire des ateliers. En fait, c'est un circuit. Il y a différents ateliers dans la forêt. Et les jeunes, avec un guide, vont découvrir différents métiers, différentes formations en lien avec la forêt puis le bois durant la journée. Puis ça, là, c'est vraiment aimé. Là. Les élèves adorent parce qu'ils peuvent faire des choses. Par exemple, ouais. il va avoir une multifonctionnelle, puis ils peuvent essayer là, la multi, puis vraiment l'essayer concrètement. Cool! Ouais. C'est quelque chose de super concret, dans le fond, ouais. qui va peut-être déclencher une passion puis donner le goût aux jeunes d'aller travailler en forêt. Oui, exactement. Puis on a aussi un kiosque d'information l'été à Vajalbert. Okay. Oui. On a une clientèle là-bas qui est très internationale. Là, c'est sûr qu'avec la COVID, on avait plus, c'était régional, il y avait des gens de Québec, Montréal. Mais on rencontre au moins 2000, l'année passée, on a rencontré 2000 personnes qu'on a pu sensibiliser sur des enjeux importants là, en lien avec la foresterie. Donc, c'était vraiment très intéressant. Puis récemment, les forêts pédagogiques, c'est un nouveau projet qu'on a développé avec la MRC Maria Chapdelaine et puis l'école de primaire de Girardville. Okay. Et ça, c'est la création de binômes. Et puis, ce sont deux classes. Puis c'est une classe de Girardville, mm-hmm. De l'école primaire de Girardville et une école en France, l'école de l'Irak en France. Et on crée des présentations avec eux pour qu'ils échangent sur la forêt. Là, ils ont eu la forêt boréale. Ils ont eu une présentation sur la forêt boréale et puis la forêt méditerranéenne. Puis prochainement, il va y avoir une présentation là, sur l'histoire forestière du Québec et de la France. Donc, c'est vraiment rempli de plein de découvertes pour eux. Puis ce sont des beaux partages. Là. Ouais, les jeunes, ils doivent triper là, avec des partages comme ça. Puis de voir les différences, mais aussi ce qui se ressemble là, d'un côté à l'autre par rapport à la forêt.
Oui, ils peuvent faire, tu sais, on les invite à faire des activités en lien avec ça, fait qu'ils peuvent se parler après, tu sais, c'est quoi qu'ils ont trouvé là, comme information. C'est vraiment une belle approche, là aussi, pour partager la passion de la forêt. Puis je vois aussi, sur la table, il y a la revue ici que vous produisez. Oui, c'est la revue à l'arbre. En fait, c'est une revue d'information. Au début, il y a des textes, des articles sur l'actualité forestière. Ensuite, à la fin, c'est notre rapport d'activité qu'on fait. Donc, durant toute une année, qu'est-ce qu'on fait à l'association. Puis justement, récemment, au mois de décembre, on a fait la tournée Sapin du bon sens. Oui. Donc, on vous donne un petit cadeau aujourd'hui. Le sapin en bois. Attention, je l'ai là. Et ça, c'est une école forêt et bois qui a réalisé ce sapin-là. C'est l'école Le Tournant à Dolbeau-Mistassini, oui. Avec des jeunes dans l'option ébénisterie. Puis le chou recyclé, c'est l'école Bon Pasteur. Et l'école forêt et bois, une école forêt et bois, qu'est-ce que ça fait? Mm-hmm. C'est que durant une année, il faut que l'école fasse au moins 3 activités en lien avec la forêt puis le bois. Et nous, on peut faire rayonner leur activité sur notre page Facebook. On a même un groupe privé qu'ils peuvent aller chercher l'information là, de plein d'activités qui se réalisent. Bien, c'est vraiment cool. Puis justement, tu parlais de Sapin du bon sens, dont on a connu la 30e édition là, cette année, qui commence à être une opération bien connue et qui consiste à récupérer son sapin une fois terminé. Mais moi, je ne ferais pas ça avec le mien. Moi, je le garde. Mais donc, est-ce que ça a bien fonctionné cette année? Oui, c'est ça. On va avoir les chiffres un petit peu plus tard. Cette année, comment ça fonctionnait? C'était dans les éco-centres et c'était avec nos partenaires. Il y avait la MRC du Fjord du Saguenay, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, Ville de Saguenay et l'Association forestière qui étaient réunies pour faire la récolte des arbres, en fait. Oui. C'était dans les éco-centres et cette année, c'est ça, c'était la 30e édition. Puis les arbres récoltés servent à faire du paillis ou du compost. Et du côté du Lac-Saint-Jean, c'était envoyé à l'usine de cogénération à Saint-Félicien. Ah. Donc, c'est une belle activité. Belle initiative aussi. Donc, on voit vraiment, Stéphanie, que vous ne manquez pas d'activité pour promouvoir la forêt de chez nous. Je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler. Et si les gens veulent plus de détails, j'imagine vous avez site web, page Facebook? Oui, c'est ça exactement, www.afsaglac.com. Et notre page Facebook est très active. On met des capsules vidéo, des fiches d'information. On vous invite. Puis si jamais vous avez une question que vous aimeriez qu'on réponde par rapport à la forêt et le bois, bien, ça nous fera plaisir de faire un petit quelque chose. Là. Oui, j'imagine si vous êtes dans le personnel scolaire ou si vous êtes un étudiant à l'école, vous pouvez en faire la demande aussi, là, j'imagine, pour avoir de l'information par rapport aux formations et tout ça que vous donnez. Oui, exactement. Bon, bien, je te remercie encore une fois. N'hésitez pas à aller chercher plus d'infos sur le site web ou la page Facebook de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean.